Bon, ce fut un faux départ. Ce fut donc un faux départ. La caméra démarre seulement maintenant. Alors, j'ai pas d'autres oreilles. J'ai pas pris le temps de mettre l'ordinateur à côté pour pouvoir écouter ailleurs. Vous avez pas l'heure? Eh bien, la caméra s'est mise en grève là aujourd'hui. Elle a pas envie. La deuxième, je veux dire. Donc là, il est presque 17h20. Ah. C'est chiant quand on n'entend pas les autres stations. Elle a pris l'habitude. Hein. Bon, ce sera une vidéo moyenne. Pas grave. Ça changera d'habitude. Bon, déjà, comme vous avez vu dans les précédentes vidéos, j'ai récupéré l'ordinateur pour pouvoir retravailler à nouveau les vidéos. Et où? Ah, ça y est. Gilles, regarde, tu vois le DSP à droite, il n'y a pas de voyant rouge qui clignote, il n'y a que le vert. Donc là, ça traite le son. Alors j'ai un peu chambré tout à l'heure, là, Gilles, puisqu'il m'avait laissé un message comme quoi, là, ben, vendredi, jusqu'à samedi matin, il serait absent. Sauf que ce matin, il s'est loupé au réveil. Alors, ce matin, il a commencé par se louper au niveau du réveil. Ça a été le premier gag. 3 heures plus tard, il s'est réveillé. Il s'est posé devant la station. Allez, bim! Eh bien, le voilà. Pour le coup, ben, je crois que c'est pas aujourd'hui qu'il partira. Là, je crois que c'est pas aujourd'hui qu'il prendra la route, ou alors cet après-midi. Enfin, cet après-midi, pour lui, heure québécoise. Ça y est, Mangina s'est réveillé, et c'est le renard qui est sorti du terrier. Donc là, 17h20 pour nous, 11h20 pour lui. Il est sorti du terrier. Salut les copains, bonne 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 à toi, bravo Charlie, c'est merci à toi, bisous madame, si tu le permets, avec ta permission. Ouais, je suis venu plusieurs fois, mais c'était sur la couette, hein. Bon, oui. C'est un moment que je t'appelle, hein. Ben voilà, sans le DSP. Voilà ce que ça donne. C'est dégueulasse, hein?
On dirait de la FM. Voilà. Et là, j'ai poussé à fond. Ça étrangle. Un peu trop même. On entend un aquarium. Tac. Merci pour le retour du micro, les 73-51 à tous ceux qui viennent d'arriver là à l'instant même. Christian 73-51, ça y est, t'as évacué la neige du terrier là, Christian, pour pouvoir sortir. Oui, j'ai sorti le terrier, on voit bien qu'il est un moteur, il n'est pas étendu, il est on l'entend derrière, mais c'est petit. Tenter une connerie. Ok. Là, l'écoute est plus centrale. Ah, c'est le cas de le dire. Ah, d'accord, voilà. C'est dans la boîte. Merci pour le retour de micro. Ok. Eh bien, c'est sûr qu'on va être là. On va t'écouter derrière parce que je sais comment tu es équipé dans le push. Yeah. À mon avis, dans le push, ça devrait passer même encore plus fort qu'au QRA. Hachi, un coup. Les 73-51 Gilles et à tout à l'heure depuis le mobile. Retour de micro sur le petit renard. Ouais, merci, retour de micro. Pas un problème, 65-14, c'est Gilles. Mais le bonhomme, bon, oui, c'est sorti à la mobile, d'accord, c'est parti pour le week-end, aïe aïe aïe, bon, mais on va te écouter là, pas de problème, voilà, oui. Cyril, tu vois, moi je t'écoutais bien, je suis revenu à 65, je suis passé bien sur la région bordelaise. Pas de soucis, Cyril, il y avait la côte d'abord qui s'est signalée aussi. Je ne sais pas si vous allez le remarquer. Mais là, l'écoute est meilleure là. Comme quoi, la position, il n'y a pas que la qualité du haut-parleur à choisir, il y a aussi son emplacement. Ok, ouais, Christian, là il prend le push, il a environ là 250 km à faire hein, là de route. Puis bon, après je crois qu'il revient demain matin. Ah bah oui, puisqu'il a parlé tout à l'heure comme quoi il devait faire sa valise, donc il doit être de retour certainement demain matin. Donc là il s'en va à 250 km de chez lui. Et il va avoir le temps de moduler sur la route. Oh oui. Oui,
Il va pouvoir voir les aurores boréales en même temps. Ah, oui, 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 oui. Nous sommes en Wifi, hein. Oh, comme c'est là, si à tous les deux ils regardent les aurores boréales, oh, je sens que là, ils vont faire le petit, là, en voyant les aurores boréales. Ça va leur donner des idées, quoi. Affirmatif, c'est QRP, mais je te copie, il n'y a pas de problème. Là, ça passe, hein, je t'entends, il n'y a pas de problème. Donc là, ouais, j'espère que là, ils vont faire vite pour arriver dans le mobile, parce que là, on attend de voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que Gilou, ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu en mobile. Mais aux dernières infos, il a toujours la même installation dans le push, avec son antenne Big Mac. C'est quand on voit son antenne sur le push, voilà là là là, c'est des antennes, c'est une antenne qui supporte des kilowatts et des kilowatts qu'il a sur le push. Hein. Avant de la faire fondre celle-là, ouais, 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 il en faudra, il aura fondu la batterie avant, quoi. Week-end travail pour moi. Samedi, dimanche, lundi. Donc en gros, il n'y a que là que je peux vraiment en profiter. Alors cet après-midi, bon, vu que j'étais pris sur sur autre chose, j'étais pris sur le PC. Et petit souci de sur une partition. Windows me bloquait d'un côté, je pouvais pas accéder, d'utiliser de l'autre sur Linux. Enfin bon, bref. Ça c'est réglé. Mais pendant ce temps-là, j'entendais justement d'autres OM du Québec passer et tout. Ce matin, la propague était plus Italie. J'aurais envie de dire Espagne, mais j'ai pas entendu l'autre oiseau. Hein.
le Brésil. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Ah, sur les Girondes, les gens sont pas habitués. Ah, pour avoir de l'eau, justement, quand XYL a débauché, elle est passée par, du côté de Saint-Émilion, par là. Ouais, les Bigarous, Saint-Émilion, après, pour parce que bon, à Saint-Pédarmand, là, qui est pas loin, il y a un chantier, là, sur au niveau de la route, là, en plein dans le village, donc c'est un petit peu casse-bonbon. Donc, elle fait un crochet par Saint-Émilion, et les fossés, tout ça, c'est inondé de partout, hein, les vignobles, tout ça, c'est ça baigne, tellement qu'il y a d'eau, hein. Ben c'est du non-stop en ce moment. Ça, c'est pas violent, mais c'est comme pluie, mais c'est continuel, quoi. Retour au petit renard. Oui, les vignes, ben, ça va, bon, mais il de l'eau, hein, puis tu vois, il va plus avoir d'eau, il va plus pleuvoir, mais là, de l'eau, elle est servie. On se plaît de l'eau, on est jamais comme ça, quand on voit, ici. On a eu trois chauds, on a fait des beaux jours cet été, dans la sécheresse. Maintenant, il pleut, bon, après, il fera trop froid, bon, ben voilà. Voilà, bon, c'était l'expliquer, il fera du temps. Bon, ça fait du bien, pour la nature, on en avait beaucoup, beaucoup besoin. Bon, ben voilà. Maintenant, on a lancé, hein, mais bon, ça continue. Donc, c'est pas là. Les robinets, à toi, Thierry, qui t'écoutes toujours. J'essaie de vous démarrer la caméra pour la pendule, pour l'heure, je veux dire, sur le réveil. Bon, 17h35. Je crois qu'au bout du compte, je vais être obligé de prendre celle de la voiture. Enfin, pas aujourd'hui. Elle est derrière. Non ? Ok, pour ceux qui n'auraient pas entendu, le petit renard passe en QRT, il a du monde qui vient d'arriver au QRA. Donc il envoie les 73-51 à tout le monde. Bon alors, Gilles, est-ce que tu es en fréquence? Si ça répond pas, ben, retour sur la Belgique. Ok, bon, bah retour sur la Belgique alors, puisque du côté du Québec, ils sont pas encore prêts, le temps de mettre les affaires et tout dans la voiture et tout, ça, dans le push, et, ah mais, au fait, il nous a dit, ah bah si, s'il est en fréquence, il prend forcément le pick-up, ouais. Oui, c'est cette petite caméra-là, à pas cher. Hein. Ah oui, à l'endroit, ça ira peut-être mieux. Voilà, c'est pas du GoPro, hein, non. Et là, une fois sorti de son support, ben, ça a fonctionné. Si, il y a toujours quelqu'un. Mais j'ai pas entendu Gilles, je suis en attente aussi pour voir. Ouais, excusez-moi, Rémi, tout à l'heure, je suis là sur un client, là. Bon, voilà, je cherchais un monsieur, bon, mais
un nouveau que je connaissais pas non plus, non, voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, 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 je reste en stand-by en attendant que Gilles se manifeste. Ok, ouais, ouais, mais je vais faire pareil aussi, là. Je reste à la station, là, j'attends un petit peu, là, voir si, si ça va passer ou pas. Et si madame veut bien qu'il prenne le micro ou pas. Non, je vois pas pourquoi elle voudrait pas, quoi. Ouais, je me suis dépêché tout à l'heure, il y avait Thierry, hein, de genre 76, il t'a envoyé des amitiés, hein, là, t'as la direction, il dit, quand ça lui, bon, il reprenait la route, le volant, hein. Oui, bonjour la station, les 73, 14 km 33 01 Rémy, le département de la Gironde. Allez, merci pour le retour du micro. De mon côté, c'est très compliqué pour vous sortir. C'est du allez, Santiago 1, 2, Radio 3, 4, pas plus. C'est vraiment très, 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 très QRP là de mon côté. Heureusement que j'ai pas de QRM là à l'instant T, parce que sinon là, ça aurait vite fait de vous passer par-dessus. Ça passe plus. Bon ben voilà. La caméra s'est réveillée. C'est tout bon. La caméra pour l'heure. Cubicle quad. Putain la vache. Assez souvent, régulièrement, le Champagne, ton département, c'est Cater Alexandre. Ok, pour la Delta Loop, là, quatre éléments, ouais, ça bombarde. Ça fait le voyage, on était en écoute en attendant Gilles, là. Sur le Québec, la division, là, le petit cousin, QSL Alexandre. Ouais, je suis en
Ouais, c'est pas ce pas un fort pour moi, c'est bizarre, une des autres catélément. Hein. J'en possède une en troisième, donc elle est stand-by, elle est dans un hangar en sec là. Toi, René, tu entends avec ça, non? Alors, j'entends vraiment, vraiment très, très QRP. Hein. C'est vraiment de noyer dans le fond. Je comprends pas tout ce qu'il dit. En plus, il a une voix qui est très grave. Donc, ça aide pas trop à passer. Et c'est vraiment très, très QRP. Hein. Mais bon, vas-y, parle avec lui. Hein, y a pas de problème. Hein. Vu les conditions là de mon côté, je vais pas insister davantage. Je reste en pointillé le temps pour voir si Gilles reprend le micro et comment ça passe. Il y a un break. Il a poussé le micro en l'air pour que ce soit plus fort de ton côté, Rémi. Là, je confirme qu'il arrive plus fort avec Sam, là. Il a poussé, donc il fait des bricoles, là. Il est occupé, l'ami Rémi, avec Sam, là. Ouais, ça, mais je suis là. Pour moi, je confirme, toi, avec Sam. Il ne m'a pas semblé l'entendre plus fort. Comment tu dis, Rémi? Il ne m'a pas semblé l'entendre plus fort de mon côté. C'est vraiment noyé, comme dit Gilles, dans le fond de la boîte. Je crois que c'est un timide. Bon, voyez un petit peu. Ah, ils sont mis en terminaison 7, je pense. Thank you.
qui ferme sa fenêtre. Ah. Bon, je me suis passé en QRX. Il y a du monde derrière, ça papote. C'est vachement QRP et j'aurais envie de dire, on dirait du québécois, je sais pas. Attention, 9 bravo Charlie 555. Attention, le Québec-Canada pour 14 km avec 33 01 Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde. Non, ça veut pas. Peut-être trop de QRM de ce côté. En plus, là, il monte plein heure. Donc, il va passer du côté de... Eh bien, à côté, de toute façon, de Montréal. Puisqu'il est à l'est de Montréal. Donc, il va passer du côté de Laval. Puis, remonter... T'as 250 km au nord, ça doit faire froid là-haut. Et il nous dira ça au retour. Vu la région, j'aurais presque envie de dire 10 ou 15 degrés en dessous de ce qu'il a chez lui. Je sais pas. C'était lancé au niveau du bruit. Là. Puis tu vois, là, ça s'est bien calmé maintenant. Mais je ne sais pas si vraiment c'est efficace à ce niveau-là. Ça consiste en quoi, en deux mots, si tu es capable de m'expliquer ça? Mais disons que tu as une longueur de coaxial à respecter, puis tu rajoutes sur la tête du radiateur. Et une longueur à respecter, c'est vrai que tu peux Oh, fabrication d'antenne. Pour ceux que ça intéresse, il y a pas mal de plans d'antennes sur le forum La Planète Cible Francophone, dans la rubrique eh bien, construction antenne, tuto et tout. On n'entend pas très bien. Hop. Ah ça, je serais curieux de savoir ce que c'est ça. Parce que ça a l'air de balayer des fréquences. D'Angleterre? Peut-être. Dame un toque por ahí por el Facebook. Ouais, bon, plus haut, on s'en fiche. Vite, je suis en train de chercher. Voilà. Correct.
depuis le mois de septembre, ouais, quand je suis rentré de France, alors, je l'avais juste installé en même temps. Attention 9, bravo Charlie 555. Attention Gilles, 9, bravo Charlie 555 pour 14 km, 33-01 Rémi. Comme quoi, il faut vraiment fouiller sur toutes les fréquences. Ah, quelle région? Québec peut-être? Je sais pas. Bingo. Sont toujours choyés pour moi parce que mes ancêtres viennent aussi de la France et tout ça. Donc c'est une fierté de pouvoir parler avec mes petits cousins. Et puis au pire, je prends le contact pour David. 73-51. Et si tu le permets, je dis bonjour à tout le QRA. Je ne reconnais pas du tout la modulation. Joyeux Noël. Là, je ne vois pas qui c'est. Il y a un peu de fading. Ça fait un peu de yo-yo en même temps. Oh, ils sont plusieurs à parler là en même temps. Breaker, faire que mettre un peu plus de pagaille dans le QSO. Oui, tu le sais, mon ami, bien. C'est une fierté d'être canadien français. Mais ma faut dire aussi que ma mère aussi, ma grand-mère, était de l'écoute. Mais quand même, on a toujours respecté nos amis anglophones et puis nos amis anglophones, puisqu'on a du sang aussi anglophone, mais quand même, le français, c'est immensément important pour moi. Ok, mon ami, merci. Oh là là, cette cacophonie. Non, c'est même pas la peine de breaker. Au fait.
Attention 9, bravo Charlie 555. Oups, pardon. Non. D'accord. Si je me trompe pas, c'est plus à l'est. Est, nord-est de par rapport à Montréal. Ah, faudrait que je rate une carte. Là, je suis pas top là, en géographie. Dans la Bleguenette, c'est pas des endroits où on va se balader tous les jours non plus. Bon, l'autre station ne l'entend pas bien. Bon, attention Gilles, 9 bravo Charlie 555, attention le Québec-Canada pour 14 km 33-01 Rémi, le Sud-Ouest France. Quand ça veut pas, ça veut pas. Pourtant le Québec est bien là. J'adore la France, oui. C'est plus les îles, on dirait. La Guyane, peut-être ? Thank you.
8-9 degrés de mon côté. Entre moins 30 et moins 5 degrés, là, ok. Deux jours en état 114, sur ce, je me pour moins 440. En te souhaitant une bonne journée et surtout un excellent week-end. Encore le micro, merci du contact, à très bientôt, je te laisse. Dernier essai. Oh, il est là. Merci, merci pour passer pour ce tirage. Hey Gilles, il est midi là-bas chez toi, alors tu vas prendre le repas de midi et quart. Tu manges pas là, tu pars de suite avec la voiture, Gilles, à toi. Je suis là, j'étais me promener un petit peu sur les ondes, mais je te croyais déjà parti, quoi. Mais c'est pas vrai. Il va... hey, t'as mis de la glu dans le... sur le micro, hein, pour pas arriver à le lâcher et à prendre la route. Hein. Et j'attendais pour t'avoir depuis le push et non plus depuis le QRA. Hachi. Putain, mais ça déconne, t'es pire que moi, toi. Ah oui, ah là, t'es pire que moi. Hein. Parce que tu devrais être déjà loin sur la route, là, à cette heure-ci. Ouais, il est midi et quart chez toi. Ça fait déjà... ah oui, ça fait un paquet d'heures, tu devrais... Enfin, un paquet d'heures. Ça fait, alors, midi et quart. Allez, à mon avis, tu devais compter... tu devais partir vers les environs de 9 heures. Hein, vu le nombre, vu le temps à passer sur la route. Ouais, je vois bien ça. Tu devais partir vers les 9 heures et les midi et quart, t'es toujours pas parti. Oh, je suis arrêté.
Oui, c'est ça, il a barbotté à mille papiers. Ok, allez, je ne vais pas te retenir plus longtemps, sinon ça va être de ma faute après. Je t'envoie les bottes 73-51 Gilles, ainsi qu'à Nathalie, les 88 à Nathalie. Et bonne route à vous deux, et bon week-end. Pour moi, c'est boulot samedi, dimanche, lundi, ennui. Voilà. Allez, tout ça, renouvelé. Amusez-vous bien. Oui. Ok, je passe en QRT, les 73-51, bonne route. Avec plaisir, oui, retour au Petit Renard. Allez, 73, merci à toi, madame. Voilà, et bonne route à toi, Thérémy. À demain, c'est loin. Bon, ok, Gilles, le petit grand huit, rapido, c'est le petit café, puis arrivé là-bas, bonne soupe et coupure, tu vas t'éclater, un petit peu de whisky, de lait rouge, et tout qui va bien. C'est la bonne bouffe, Gilles. Allez, Gilles, c'est à 73-51, bonne fin de journée pour toi. Ben, c'est-à-dire bonne soirée ou bonne fin d'après-midi. Et puis, ben, c'est bientôt le gâteau solide. Alors, bon appétit, toi. Et puis, à très bientôt, Christian, sur Bordeaux, mon petit renard. 14 novembre 1859. 14-6-0-1-9, bravo, Charlie, 500-500 sur le Québec. Qui m'entend jusqu'à dimanche matin. Dimanche après-midi pour vous. Ouais. Ouais, d'accord. Ok, merci beaucoup pour tout le monde. Merci pour le propos. Bon, bien sûr. Voilà. Là, bon appétit, on a les infos. Tard, hein, pour retrouver là où tu vas arriver. Allez, là-dessus, les 73-51 à tous, à la prochaine. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.